mama wetu, mama Fifi. Mungu ambariki sana. Mama Fifi, salie sana. La ponctualité et l'impartialité dans les traitements d'informations nous caractérisent. Dames et messieurs, vous l'avez compris, c'est l'heure du journal sur la chaîne Pacifique. Et surtout, merci de la confiance que vous ne cessez de renouveler sur votre chaîne de proximité. Et ce point d'actualité partira de Kinshasa, la capitale congolaise, pour vous dire que la République démocratique du Congo a réceptionné le mardi dernier 11 tonnes de kits d'assistance d'aide humanitaire qui porte la signature du gouvernement kényan, et ce geste illustre un partenariat soudé entre Nairobi et Kinshasa. Sandra Moukeya signe ce récit. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, Dr Samuel Roger Kamba, a été à l'aéroport international de Goma ce mardi 8 juin 2021 pour réceptionner deux cargos de médicaments et vivres envoyés par le président Uhuru Kenyatta. L'État kényan a décidé de venir vous aider avec le peu que nous avons. Nous apportons de la nourriture et des médicaments. Je viens aujourd'hui avec deux avions et demain, deux autres vont atterrir ici à Goma. Nous pensons que notre contribution va aider les victimes de l'éruption. Priez recevoir ces dons du peuple kényan. Ce représentant du chef de l'État a fait savoir que ce don, qui est composé essentiellement des nourritures, médicaments et des kits d'assistance pour les populations en souffrance, est issu d'un lien fraternel entre les deux pays. Au nom du président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous remercions le président Uhuru, qui est son frère et son ami, et nous disons que c'est la première fois qu'on voit deux avions qui atterrissent aujourd'hui, deux autres qui vont atterrir demain avec de l'aide pour notre population sinistrée. Cela démontre la force de la relation entre les deux présidents et entre les deux pays. Nous remercions encore au nom de cette population meurtrie le geste du président Uhuru et de la population du Kenya. Ces gestes tombent à point au moment où le sinistré de Goma en déplacement vont rentrer, et cela sera vraiment une prise en charge correcte pour le retour en famille. On parle infrastructure à présent dans ce point d'actualité. Les travaux de construction du pont devant relier les avenues Ngungandu et Tchata au quartier latin évoluent normalement. L'heure est au ferrage avant le coffrage et le bétonnage. Pour les comptes du gouvernorat de province, Jordan Mwingamba nous en dit plus. Lancé depuis le mois de mai dernier par la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini, qui avait posé la première pierre, les travaux de construction du pont moderne devant relier les avenues Ngungandu prolongées et Tchata connaissent une évolution remarquable. D'après un technicien de l'entreprise Muska Engineering, trouvé sur les lieux, l'heure est à l'étape du ferraillage qui sera suivi du coffrage pour enfin couler les bétons, un pont de 150 tonnes. La population riveraine et les usagers de cette artère continuent à saluer la détermination et la ferme volonté de Masuka Saini Fifi, qui s'est traduit par la dotation à ses administrés des infrastructures viables. Façon
pour féliciter maman Fifi Sana. À la fois, qui dit qu'il ne te fera pas garder et tout. Mungu amongeze mashiku. La construction de ces ports modernes vient soulager la souffrance des habitants qui ont du mal à circuler. Infrastructure, on en parle encore dans ce journal. Plusieurs avenues secondaires du quartier latin de la ville de Colvézi, bien sûr, vont faire peau neuve dans quelques jours. Ce coin de la ville, autrefois menacé par les têtes d'érosion, fera la fierté de la capitale du cobalt. Ce que nous dit ici Josué Muyumba Nyangé. Elle ne s'est pas limitée seulement au lancement des travaux. Masuka Saini Fifi se donne régulièrement la tâche de faire le suivi à la loupe pour s'assurer de la bonne évolution des chantiers. Après l'avenue principale du quartier latin dans la commune de Manika, Ongungandu qui subit déjà l'érection des drains en bloc ciment avant la pose de la couche de roulement, les avenues secondaires sont à la phase de la pose de la couche de base au moyen de la latérite. Il s'agit entre autres des avenues Moulong, Lumandé, Géomètre Kissimba et Arpenteur Ndoua. Les habitants n'en reviennent pas. Ils ont toujours à l'esprit le calvaire que présentait cette voie, surtout en saison des pluies. En tout cas, Ndia Ekoukou est bien, Ndia Ekoukou a mangé Moussana. Surtout quand on voulait la pika, c'était compliqué. Par Kupita Mouindia, il faut vouloir Bilato. C'était compliqué, mais après ça, on a choukou Moussana, on a choukou Moussana, on a choukou Moussana. Nikaji mzuri sana iko nenda apate de gia mak engin kila chiku kila wakati iko natumika vile na pacha mais pour le moment atuna tant difficulté zawani kana ba moto ku fiki shoko il faut quoi quelque part pale atatizo sana barabara ilikuwa mubaya mai ya kuanzia Ungungandu nani la sienda masomo babubu ti jusqu'à maintenant hapa ntoka mai yote ilikuwa nakuya pa moya veni si tunashikia lezi sana très bien là. D'autres ont profité de notre présence pour remercier l'initiatrice de ces travaux, Masuka Saini Fifi. Kaji ya mzuri. A tous ça sema na fanya erreur, mame una fanya kaji. Na tunamsoutenir sana mukaji yake. Mungu ambariki mama gouverneur sana. Asiache endelee tupaka na matravo yake kunaenda na. Bon juu ya mama mnyoko nafanya kazi tunaomba tu Mungu amsaidie, Mungu ampe paka nguvu na akili na bale ko natumika nabo ba msaidie nabo juu ya kazi ende kumbele njoo kama tunaona kaburimbo banaika fashioti en tout cas itakuwa kintu kizuri sana cha kupendeza. Le chef de chantier de l'entreprise Muska Engineering donne les différentes étapes exécutées jusque là. Nous avions commencé par mettre d'abord de la caillasse. Maintenant, nous mettons la latérite. Nous sommes presque à 40%. À toi, d'ici une semaine et demie, je termine avec la couche de latérite. Maintenant, la couche de roulement, il faut attendre d'abord parce que après nous, il y a ceux qui font les drains qui nous suivent. C'est de cette manière que l'autorité provinciale entend s'occuper des problèmes de ses administrés qui habitent les coins les plus reculés du Lualaba. Faisons un saut dans la province voisine. Nous sommes dans le Haut-Katanga pour vous dire qu'un camion citerne rempli d'essence a pris feu, causant ainsi des dégâts importants. La scène s'est déroulée dans la ville montagneuse de Likasi. Suivez. C'est tout ce qui reste des dizaines de paquets de boissons énergisantes et gazeuses, des cartons de biscuits et des matelas chargés dans ces camions réduits en épave par une flambée de feu causée par la brûlure d'un camion citerne à essence. Ceci dans la nuit de mardi 8 au mercredi 9 juin 2021. En effet, tout serait parti du pillage d'essence orchestré par le riverain à la suite d'une simple crevaison de cet engin roulant, relate un témoin. Ici dernier, il y a un essence. Je suis en essence, il n'y a pas de perte de balabala. Le perte de balabala, il n'y a pas de perte de balabala. Il n'y a pas de balabala. Maintenant, la balabala, il y a un peu de l'essence. Le copier, il est essence, il y avait des gens qui ont été mis en tomate. Par exemple, le maître, on a une jeune femme qui a été enflammée. Ça a été enflammé. Pourquoi c'est terminé? Et quand c'est terminé, on a trouvé les chiens. On a couru juste la nuit. Ma whisky, ma
jus, maïs, na mamous. Alors ça veut dire ça, déjà, il faut une citerne, il est déjà enflammé dans un tout pas moto. Dès ces faits, une voiture décapotable en panne, garée dans une parcelle à côté, s'est également brûlée. À la levée du soleil, sur les lieux de la scène, les spectacles continuent. Des enfants, jeunes et vieux s'empressent à tirer l'essentiel des restes du camion citerne. Entre-temps, des embouteillages longs de près de 1000 mètres de part et d'autre s'en suivent. Il y a peu, un accident non mortel s'est produit à ces mêmes endroits. Ce jour-là se poursuit sur la chaîne Pacifique et cette fois-ci on parle proximité. Certains habitants du Colusie sont exposés à la poussière en cette saison sèche. Et quelles sont les conséquences et quelles sont les mesures préventives pour se protéger contre les maladies dues? Tentative de réponse dans cet élément qui porte la signature des grâces. Timbadi Mbombo. Pendant cette période de la saison sèche, la poussière se soulève des parts et d'autres de la ville de Kolwezi. De ce fait, plusieurs personnes souffrent des maux d'yeux. Le docteur Christian Chipuka, médecin généraliste, explique comment faire pour protéger les yeux qui sont l'un des organes sensibles du corps humain. D'abord, c'est d'éviter de s'exposer à la poussière, surtout pendant cette période de la saison sèche. Mais pour certains qui ne supportent pas ces corps étrangers-là, donc la poussière dans les yeux, ils font recours dans le département d'ophtalmologie. En cas d'échatouillement, que faire? Donc il faut éviter de frotter l'œil parce que vous risquerez de traumatiser ou soit de léser la cornée. Maintenant, de ce fait, dès que vous constatez il y a la pénétration de la poussière, donc vous surélevez légèrement la paupière supérieure. Et puis vous superposez ça juste au-dessus des cils de la paupière inférieure. Et puis les cils de la paupière inférieure vont prendre cette poussière-là pour amener ça vers l'extérieur. Mais si vous constatez que ça persiste toujours, avec des gestes trop simples, donc vous prenez juste du sérum, donc une solution physiologique, du sérum physiologique, vous instillez ça dans l'œil. Légèrement, jusqu'à ce que ça va faire drainer cette poussière. L'œil est l'un des organes les plus importants de la vie humaine. Il faut bien prendre soin de ses yeux. Découvrons d'abord cette nouvelle qui nous émane de la première institution en province. Nous sommes à l'Assemblée provinciale du Lualaba, où la séance plénière de ce mercredi 9 juin a tablé sur plusieurs points, notamment la validation du mandat du deuxième suppléant de l'honorable Jamari Tizainga Lungamana Sanama, mais aussi l'analyse du dossier relatif à l'indemnisation des agriculteurs par la société Metalcol. On parle à présent sport avant de boucler avec ce point d'actualité. En marge de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations d'handball dames, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés face à leur homologue nigériane sous la note de 35 contre 16. C'était le mardi 8 juin 2021. Cléophas Ngongo Mirambo signe ce récit. Les Léopards d'âme de la République démocratique du Congo se sont imposés tranquillement 35 à 16 devant leur homologue du Nigeria le mardi 8 juin à l'occasion de leur entrée en cette phase de groupe de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Les Fauves ont gardé leur supériorité jusqu'à la fin de cette explication acquise depuis la première mi-temps en n'ayant presque pas énormément de difficultés tout au long de la partie où elles ont bien maîtrisé l'équipe adverse. Un succès qui va permettre d'aborder le prochain match face aux Kenyans avec beaucoup de sérénité et de bien se positionner dans le groupe B dès cette entame. On le rappelle, les Congolaises avaient terminé à la troisième position lors de la dernière édition organisée à Brazzaville en République du Congo en 2018. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement ces points d'actualité sur Amani Télévision, la chaîne Pacifique. Et si vous l'avez aimé, dites merci à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. Ça a été pour moi un grand plaisir de vous servir. Merci mesdames, merci messieurs.